Mais oui, nous étions trois pour cet équipé, cette navette, autour de Tonnerre et des châteaux situés dans le coin. Cher couple, avec lequel j'ai partagé un trajet d'une après-midi. On ne s'est peut-être pas beaucoup rencontrés, sinon à travers des regards. Eh oui, toi tu avais un appareil photo, un peu comme le mien. Si par hasard vous pouviez tomber sur ces moments vécus ensemble cet après-midi autour de Tonnerre, ça me ferait hyper plaisir. Tonnerre et ses environs, Tonnerre, ses environs et ses châteaux. Château de Maunes, M-A-U-L-N-E-S, situé à Cruzy-le-Châtel, dans l'Yonne, donc, est un château de style Renaissance, construit au XVIe siècle. Il s'agit d'un château qui ne connaît pas d'équivalent en France, sinon dans le monde. Il présente plusieurs particularités qui le rendent unique. Ainsi, construit d'une seule traite, entre 1566 et 1573 sur un plan pentagonal, il a été très peu occupé. Il est bâti autour d'un escalier central et d'un puits alimenté par trois sources. Inoccupé au XXe siècle, dans un état de dégradation avancée, il a été acquis par le Conseil général de Lyon en 1997. Depuis, il a fait l'objet d'études historiques et archéologiques, ainsi que de travaux de restauration qui doivent se prolonger sur de nombreuses années. Il est ouvert au public depuis 2005.
Il fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 11 juillet 1942. Thank you.